Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs, aka Pretty Boy Floyd, et bienvenue dans ce numéro un peu spécial. J'espère que vous êtes tous au maximum de votre forme. Défouraillez-moi d'ores et déjà le thumbs up ici en bas de la vidéo, et abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir, toute force est bonne à prendre. Alors aujourd'hui c'est un numéro un peu particulier, je vous l'ai dit, je vais vous parler d'un bon plan. Mais avant ça, et toujours dans un souci de transparence avec vous, je vais vous expliquer la raison de cette vidéo. Je suis très régulièrement contacté par des entreprises pour des partenariats, dont des applications de revente. Alors 95% du temps, je dis non, mais je vérifie toujours quand même s'il y a une cohérence avec ma chaîne. Par contre les gars, je vous le dis tout de suite, si Rolex me contacte, je vous le dis tout de suite, on va faire des unboxings de montres. Ah ouais, je retourne ma veste direct. Non mais je rigole, mais voilà, bon, si je veux faire des unboxings de montres, je fais des unboxings de montres de toute façon. Il n'y a pas de problème. Rolex, big up. Bon, en vrai, revenons à nos moutons. Donc je vérifie toujours quand même les mails qu'on m'envoie, je clique sur les liens, je regarde, etc. Alors j'ai jeté un yeux sur United Wardrobe et j'ai vu des choses intéressantes, alors je me suis dit pourquoi pas. Alors on va le faire, mais on va vraiment tester le bail, on va vraiment voir comment ça fonctionne. Maintenant, nous y voilà. Alors vous êtes toujours très nombreux à me demander des conseils sur les sites de revente, etc. etc. Est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est pas bon, nanani, nanana. Même si dans un monde utopique ou dans un monde rêvé, on pourrait toujours cop au retail, voilà, comme tout le monde, ce serait génial. Mais avec les éditions limitées, les gars, c'est pas possible. Et de toute façon, c'est ça qui crée la demande. Donc pour le resell, la revente en français, on va diviser les choses en trois catégories. D'abord, il y a les sites professionnels, qui sont des entreprises revendeurs professionnels. Donc les prix sont souvent plus élevés, mais au niveau fake, vous êtes tranquille, il n'y en a normalement pas. Et en général, vous trouvez toujours ce que vous voulez. Ça, c'est aussi... c'est aussi pas mal. Tout a des avantages et des inconvénients. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est celle dont on va parler aujourd'hui. C'est la revente de particulier à particulier, mais en passant par des sites sécurisés. Et donc la troisième catégorie, c'est la revente de particulier à particulier en direct. Soit sur eBay, par exemple, ou carrément sur les réseaux sociaux, sur les groupes Facebook, etc. etc. Donc là, les avantages, c'est que les prix sont souvent moins élevés, mais les inconvénients, c'est qu'il y a beaucoup de fakes, il faut faire attention aux arnaques et éviter les rendez-vous obscurs. Tu vois ce que je veux dire? Si t'as rendez-vous dans une ruelle, tu vois 5 bougoufons qui t'attendent, je te conseille de faire demi-tour. United Wardrobe. Donc je regardais sur l'application, voilà, qui est sur mon téléphone d'ailleurs. Donc je regardais sur l'application s'il n'y avait pas des trucs intéressants, s'il n'y avait pas des bons plans pour pouvoir faire une vidéo. En plus, c'est pas encore trop connu encore ici en France, donc les bails qui sont sur le site ne partent pas forcément en 30 secondes, tu vois. Pour vous dire, la Air Jordan 4 Cactus Jack, voilà, qui est ici. La Cactus Jack, elle était sur United Wardrobe, en taille 12, je précise, à 350€. À la revente, pour un retail, à 200€. Donc pour cette paire, c'est le prix juste à la revente. Voilà, prix correct. Même si elle tourne plus dans les 400€ en taille 12. Mais bon, 350, c'est un prix correct. C'est pas un prix extraordinaire, mais c'est un prix très correct. Mais c'est pas juste ça qui m'a convaincu de jobber avec eux. Ensuite, la Off-White. Voilà, la Off-White, white, hein, voilà. J'ai changé les lacets, je l'ai mis en orange. Ok. Cette paire-là, je l'ai pris à 440€. Taille 12, retail, 150€. En moyenne, au retail, cette paire-là, normalement, elle est plus dans les 500 à 550€ en taille 12. Donc là, 440€ pour cette paire, c'est un bon prix, tu vois. Bon, c'est pas le retail à 150€, là, on parle de revente, les gars. C'est relatif. Pour la paire, c'est un bon prix, 440€. Très bon prix. Voilà, j'ai vu qu'il y avait des bons plans sur ce site, donc je me suis dit, ouais, je vais faire une vidéo avec eux. Mais c'est pas juste ça qui m'a convaincu de travailler avec eux. Le gars qui m'a contacté, avant de bosser avec lui, je lui ai demandé, oui, mais pour le fake, vous faites comment? Voilà, c'est super important pour moi, je pose cette question à chaque fois. Et il m'a expliqué son système sécurisé, que moi, de toute façon, j'ai testé après. Tu passes ta commande, tu payes, mais l'argent ne va pas directement au revendeur. C'est United Wardrobe qui bloque l'argent. Donc l'argent, il est bloqué jusqu'à temps que moi, l'acheteur, je valide la commande. Donc que j'ai reçu le colis, que j'ai regardé si la paire, c'était du fake ou pas du fake, que la boîte est abîmée ou n'importe quel problème. Et si tout va bien, je valide ce que j'ai fait avec ces paires, tout allait bien. Et seulement là, le revendeur, bah, il touche ça, il touche son argent. Tu vois ce que je veux dire? Donc lui, psychologiquement, ça le pousse à t'envoyer ton colis rapidement, ça le pousse à t'envoyer ton colis proprement, dans une boîte bien emballée, et avec un numéro de suivi, il n'y a pas de problème. Le gars, il veut son argent, toi, tu veux le truc, tout le monde est content, j'aime beaucoup ce système. C'est pas révolutionnaire, hein, ça existe déjà. Mais ce site, United Wardrobe, je vous conseille pour ça. C'est un bon plan.
des bons plans, il y en a plein, mais ce site là c'est un bon plan. Alors vous avez peut-être pas trouvé tout ce que vous voulez, mais allez jeter un œil de temps en temps quand il y a une sortie, et peut-être que vous allez trouver sur United Wardrobe. Ils ont un service client en français, si vous avez un problème vous pouvez leur écrire en français. Je me renseigne sur tout. Et bien sûr, vous pouvez aussi vendre, hein, si vous avez des vêtements d'occasion ou si vous êtes un revendeur, vous pouvez vous inscrire et vendre des produits. Au contraire, c'est un échange, tu vois. Tu peux acheter, tu peux vendre. C'est vraiment une plateforme de commerce sécurisée. Donc le lien est dans la description. Et en plus, comme c'est mon lien à moi, vous êtes parrainé, vous avez 5 euros sur votre premier achat. Voilà, c'est toujours ça. Donc voilà pour le bon plan du jour. United Wardrobe, au max. Partenaire validé. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, vous pouvez complètement défourailler le thumbs up. J'ai déjà dit en début de vidéo, mais je le redis à la fin, il n'y a pas de problème. Défoncez-moi ce thumbs up. Éclatez-le, mettez des likes, donnez de la force. Donnez de la force, on en a besoin, ok? Parce que c'est dur. C'est dur pour une chaîne YouTube quand d'évoluer avec du vrai contenu sans faire des titres forcément putaclic. Voilà, j'aurais pu mettre des titres. J'ai couché avec une stripteaseuse et j'avais des off-white aux pieds. Et là, je ferais 200 000 vues, mais je le fais pas. Pour ces raisons-là, toutes les chaînes, je parle pas que de moi, toutes les chaînes YouTube qui ont du vrai contenu et qui mettent les titres qui correspondent aux vidéos, et ben c'est là qu'il faut surtout mettre des likes, parce que c'est vraiment ces chaînes là qui ont besoin de force. Merci pour moi et merci pour tous les autres. L'abonnement à la chaîne est bien sûr complètement gratuit, sans aucun danger physique. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, hein, surtout sur Instagram. Il y a souvent des choses que vous ne voyez pas sur ma chaîne YouTube que vous pouvez voir sur Instagram. Et on se retrouve demain 19h30 pour le top 10 du mois de septembre. Un mois très compliqué, hein. Vraiment là j'ai galéré pour faire le top 10. Et en plus c'est la reprise de notre petit concours photo familial Instagram avec le hashtag TontonGibbs septembre 2018. Donc là c'est bouclé, ne participez plus, sauf pour le mois prochain si vous voulez participer. Je vous le dis déjà, c'est le tonton, forcément le hashtag TontonGibbs octobre 2018, tout attaché, vous pouvez déjà commencer. Et on se voit aussi mardi 19h30 pour un OMG sneakers au calme avec une paire qui mérite notre attention. C'est le OMG sneakers 96, on arrive à 100 bientôt. Je pense que pour la centième je vais essayer de vous faire un gros concours. Ouais, je sais pas encore quoi, mais un gros concours. Portez-vous bien, merci à vous pour la force. Thank you.